Salut à tous, c'est Capi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je fais ces petites vidéos pour faire un petit récapitulatif en fait de la journée d'hier et de celle d'avant-hier aussi. Parce que ben voilà, mon petit Sacré-Cœur il a augmenté, hein, il est ici. On a joué quand même pas mal, hein. Hier pour tout vous dire on a fait 8 heures de live au total, même 8h30 je pense. Mais j'ai mis la rediff seulement des 4 dernières heures parce que bon c'était tellement épique. En gros, vous étiez une soixantaine de personnes à regarder le live, c'était magistral, on a commencé à partir en délire. En fait, on s'était dit, bon, on va faire le Colosso et le Glour Céleste. On a mis 4 heures à faire les deux, et en plus, on n'a pas réussi à faire le Glour Céleste parce qu'il y a à chaque fois quelqu'un qui tapait une flammiche sur le Glour, et du coup, ça nous faisait tous un OS. Donc voilà, on a assez rigolé pour ça, mais bon, voilà. Donc on devra le finir aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de guilde. Maintenant, je suis dans Spiritus Deus. Donc c'est une guilde quand même assez haut niveau. À niveau 117, il y a pas mal de très très haut niveau. Mais franchement, ils m'ont super bien accueilli. En fait, c'est toutes des personnes avec qui j'avais déjà genre parlé un petit peu sur Skype ou quoi. Mais c'est beaucoup des gens qui ont des teams. Donc là, il y a Joyki, il y a Dieu. Voilà, c'est notre meneur. C'est Dieu. Il y a Lunatic, il y a Cinatic, c'est aussi un perso à lui. Il y a Martin Garrix qui est parti, non, non, il est là. Et enfin voilà, on se mâche, ouais. Il y a Tejas aussi qui était en live hier soir avec nous sur Skype. Et comment? Je viens de me marrer parce que j'ai vu un message de Taillon dans le truc, mais bon voilà. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a commencé par faire le Colosso, donc ça on y est arrivé du premier coup, ça a pas mis trop de temps, ça allait. Ensuite on s'est dit qu'on allait faire le Glourse, mais pour aller au Glourse il faut faire le chemin. Et du coup j'ai mis à peu près 10 fois à le faire avant de réussir à arriver devant la porte, parce qu'il y a toujours des mobs qui m'agressaient ou quoi, enfin il y avait toujours quelque chose qui se passait. On est mort 2 fois au boss, ou 3 je sais plus, donc du coup j'ai dû le faire à peu près 10 fois le chemin. Donc du coup c'est pour ça que j'ai changé de guilde en fait, parce que les gens avec qui je faisais étaient dans cette guilde-ci, et eux ils avaient un prisme qui était juste devant la grotte des Glures Célestes. Du coup on se dit bon, on va aller tous dans cette guilde-là, comme ça voilà, c'est bon. Et parce qu'ils sont dans l'alliance Crown qui est ici, vous pouvez le voir, c'est une des plus grosses alliances du serveur. Et du coup voilà, on a fait ça. Ensuite on a commencé à se raconter des blagues, enfin il y avait Cyberman, s'il se reconnaît, qui nous a fait faire un... La soirée c'était genre énorme, le mec arrêtait pas de m'envoyer en MP des blagues et je l'ai lâché au live, il y a tout le monde qui était mort de rire, enfin c'était genre juste énorme. Et enfin franchement c'était genre trop trop marrant. Et alors en fin de soirée, juste avant que je termine, là, genre la dernière demi-heure, ben voilà, il vient de se connecter le Cyberman. Eh bien, il y a ceux de la guilde qui ont décidé de comment dire, de me faire un petit don, voilà, pour me souhaiter la bienvenue sur le serveur, et histoire de me, comment dire, de m'accueillir comme il se doit. Et il y a Martin Garrix, donc c'est son personnage principal, qui m'a offert pas mal de choses. Donc je vais vous la montrer. Alors, il m'a offert une coiffe parabiote qui est niveau 13, je crois, ouais, niveau 13. Une cape aussi niveau 13, et il m'a filé aussi un anneau, enfin il m'a passé une panneau parabiote complète. Et ensuite il y a Saibaman justement qui m'a offert le maclier, voilà, parce qu'il disait oui voilà, maintenant t'as le style et tout, pourquoi tu mets pas un bouclier autre que ton machin d'incarname. Du coup il est allé m'acheter un bouclier, il me l'a donné, donc merci à lui. Ensuite il y a Fifou TV qui m'a prêté son Dofus Kawott. Il y a Colin, donc alias le poisson de le Colin d'Alaska, qui m'a prêté son Givre Fuchs. Et ça c'est Martin Gris qui me l'a donné, ça aussi. Il m'a filé ça. Il m'a donné des nouvelles bottes Sarcy qui étaient un peu mieux, meilleur jeu, voilà elles sont ici. Il m'a donné des trophées, il m'a donné un Gelano, un marteau bouffe-tout, je sais pas pourquoi. Ça, il faut que j'aille le vendre. Et ils m'ont tous refilé 69 kama symbolique. Et alors, il y a Martin Garrix, il est arrivé. Bon, moi je pèse, j'ai des boulesses. Il m'a donné 5 millions. Pof, il me dit, tiens, amuse-toi avec. Là, j'ai fait, ok, d'accord, c'est des fous sur ce serveur, ils sont complètement à la masse. Donc du coup, me voilà à 7 millions, donc oui. Donc 5 millions.
Enfin, 7 millions moins 7, ça fait 2. Donc du coup, vous pouvez voir, j'étais quand même monté jusqu'à 2 millions. Et comme j'ai rien fait depuis, j'étais à 2 millions 114 000 et ainsi de suite. Donc je continue d'utiliser mes kamas pour augmenter, donc c'est bien. Donc je fais pas trop de la merde avec pour le moment, ça va. Et alors, il y a Biosphère, donc Cyril, qui m'a offert une dragodane dorée caméléon. Je vais vous la montrer, mais faites attention, ça pique aux yeux parce que les couleurs de mon sacri sont dégueulasses. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très joli, mais c'est le geste qui compte, hein, qu'on dit. Donc c'est encore une fois merci à toi Cyril. C'est lui qui m'a conseillé de venir sur Alistair et qui m'a aidé à commencer le jeu, enfin à recommencer le jeu. Et franchement, je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai faites de toute cette année-ci parce que franchement, en même pas une semaine, mais je pense que je me plais trop en fait pour sur ce serveur et que. Oh, regardez, il y a un mini XL. Il est tout petit. Ah non, c'est un Nick. Regardez, son familier est plus grand que lui. Ah, excellent, il est trop classe. Donc voilà, donc encore une fois, merci à tous d'être venus pendant le live. J'oublie sûrement des noms, mais il y a eu 30, non, 49 follow en plus pendant le live et tout. Enfin voilà, c'était genre juste énorme, on s'est trop amusé. Et voilà, bah vous pouvez voir les noms, ils sont en train de comment dire, de défiler ici en dessous depuis le début. Il y avait Monsieur Skin44, Alex Bush, et Cortex les Pyramides, Oussama Choubla, Dylan Millet, Pharrell To Love. Enfin voilà, il y avait beaucoup de monde pour un petit live qui était. Donc, en gros, à 2h30 du mat, vous étiez encore plus de 50, je crois. Il y a eu 55, 56 personnes encore. Enfin voilà, c'était genre juste énorme. On s'est beaucoup trop amusé et je compte refaire des lives pour essayer de comment dire, de réitérer l'événement de hier soir parce que bon, c'était genre juste trop classe. Et voilà. Et ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, mon sacré est niveau 75. Voilà, et au niveau des métiers, ça n'a pas trop bougé. J'ai toujours 100 en poissonnier et 53 en alchimiste. J'ai pas vraiment fait mes métiers hier, mais là j'ai vu l'almanach qui est ici. Il y a eu le calendrier, il est là. Et alors, je vois vitesse d'apparition des plantes cueillies par les alchimistes augmentée de 100%. Donc, à mon avis, je vais aller me mettre dans ma petite grotte que je vous avais déjà peut-être montré. Je vais me mettre AFK là-dedans. Je vais cueillir pendant une petite demi-heure, à mon avis. Et puis après, bah, j'irai sur Skype avec les potes et tout ça. Donc voilà, bah, je ferai sûrement un live ce soir, encore une fois, hein, comme je fais d'habitude. Et bah, moi, je vous dis à ce soir. Putain, il est un peu de famille. Et je vous remercie vraiment d'avoir tous été là. C'était vraiment énorme. Je crois que c'est le meilleur live que j'ai jamais fait de toute ma vie. Et il est disponible en rediffusant, pardon, les 4h30, je crois, que ça a terminé. Et voilà. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé le live hier pour ceux qui étaient là. Franchement. Pour ceux qui veulent plus rater mes lives, ben allez sur ma chaîne Twitch, elle est dans la description. Vous mettez un petit suivre et comme ça vous apparaîtrez ici en dessous dans l'overlay et ben vous aurez un petit message sur l'écran quand je serai en live, un petit Amtaro qui vous dit bienvenue et puis je repars et Maru qui m'appelle ou je sais pas trop quoi. Et donc voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.